Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé sa première visite à Paris ce jeudi, après des propos de Gérald Darmanin sur la gestion de la crise migratoire par la première ministre Giorgia Meloni. Dans une interview accordée à la radio RMC, le ministre français de l'Intérieur a affirmé que Meloni était incapable de résoudre les problèmes de migration sur lesquels elle a été élue et l'accuse de mentir aux électeurs en affirmant qu'elle peut mettre fin à cette crise malgré le nombre croissant d'arrivées. Questionné par un élu du Rassemblement national au cours de l'émission, il déclare que Meloni, c'est comme Marine Le Pen, elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis ce qu'on voit, c'est que l'immigration ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Des propos qui enveniment un peu plus les relations entre Paris et Rome. En novembre dernier, les deux pays avaient connu une forte poussée de fièvre lorsque le gouvernement Meloni, à peine arrivé au pouvoir, avait refusé de laisser accoster un navire humanitaire. Depuis le début de l'année, l'Italie connaît un nombre record d'arrivées par la Méditerranée. Un revers pour le parti de Meloni, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille.